Des fantômes en trois dimensions ont visité les vestiaires du centre sportif du Cégep de Sherbrooke mercredi avec un message sur la sécurité routière. Ça, c'est l'auto dans laquelle j'étais. Ce miroir à projection vidéo appartient à la Société de l'assurance automobile du Québec, qui termine une tournée de sensibilisation à travers la province. C'est une manière originale de capter l'attention d'un public parfois difficile à convaincre. Lorsqu'il y a une détection du mouvement, lorsque quelqu'un passe devant, il y a un fantôme qui apparaît. Il y a trois fantômes différents qui disent trois messages de sécurité routière. En fait, ces trois fantômes-là, c'est des personnes qui sont décédées ou qui sont dans un coma suite à un accident de la route. Et eux, ils étaient passagers. Donc, la campagne vise les passagers, leur montrer qu'ils ont un pouvoir, qu'il faut oser parler. Et à la fin, lorsque le fantôme disparaît, c'est leur visage qui apparaît dans le miroir. Donc, encore plus sensibilisant, puisqu'on se dit que ça pourrait être nous qui est à leur place. Si on prend toutes les victimes de la route qu'il y a eu l'année passée, le quart des victimes étaient des jeunes de 16-24 ans. C'est toujours un message à répéter et il faut innover avec des campagnes comme aujourd'hui pour essayer de les toucher le plus possible. Bien, c'est une bonne idée, ça a attiré notre attention. Le concept, je trouve bon, là. Avec les fantômes, tout ça, ça donne un petit choc, là. Ça marque, là, moi, je dirais. Ça fait réaliser que même si on est passager, on est aussi à risque que le conducteur. Je sais que mon père, il texte souvent au volant, là. C'est quand même assez impressionnant, là. Fait que, ouais, ça touche, parce que tu sais que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, là. Fait qu'il faudrait apprendre d'arrêter de texter tout le temps, là. Moi, je pense que ça serait aussi une bonne idée d'aller dans les bars parce que, justement, c'est là que le monde boit puis ils sont peut-être pas conscients. Puis en voyant ça, bien, sérieux, ça fait un choc. J'écoute ça, puis j'ai les frissons, là. Côté technologie, ce miroir est une invention de la compagnie sherbrookoise Musion Canada. L'installation n'était cependant que temporaire et les fantômes n'ont hanté le vestiaire que pendant une journée. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.